Les écrivains Amal Setoul, lauréat du prix des 5 continents de la francophonie 2013, et Guillaume Corbeil, médaillé d'or de la nouvelle au 7e jeu de la francophonie 2013, présent à Abidjan pour le Massa, marché des arts et du spectacle africain, ont choisi la ville de Grand Bassam pour une rencontre littéraire. C'est toujours pour moi une joie de rencontrer les élèves parce que j'aime toujours imaginer qu'ils s'intéressent vraiment à la littérature, qu'ils y voient quelque chose qui leur fait comprendre leur vie, quelque chose qui les aide à découvrir les autres. À leur côté, le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire francophone 2012, Venance Konan, une figure emblématique de la culture ivoirienne. Ces trois auteurs ont entretenu les élèves des lycées et collèges de Grand Bassam sur l'importance de la littérature dans le cursus scolaire. Ce rendez-vous littéraire qui vise à créer un contact direct entre élèves et créateurs est aussi un cadre de promotion de l'art et de la culture. Nous voulons, on l'espère, éveiller des passions et donc des désirs d'écrire et donc éveiller justement une école de jeunes écrivains et constituer et participer à la constitution de l'information en Afrique à travers la littérature. Une rencontre enrichissante selon les participants. Plaisir pour moi de rencontrer des auteurs comme Amal, qui vient de l'île Maurice, entendre ce qu'ils disent et puis ce qu'ils savent aussi de nos cultures. Cela permet aux jeunes Ivoiriens de savoir réellement s'exprimer et de connaître la littérature. Des ouvrages de ces trois auteurs ont été distribués aux élèves